peut parler à la première personne du singulier, il peut parler à la troisième personne, étant la même personne. Dieu, oui. Quand Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ainsi, Jésus a dit encore dans Jean 20, dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, c'est du Père qui m'a envoyé. Nous ne sommes pas des enfants, c'est les Écritures. Écoutez, et lorsque tu dis vous n'êtes pas des enfants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour te dire que c'est les enfants qu'on les trompe, on les joue, on les fait des jeux, les mots de jeu. Moi, je ne suis pas quelqu'un que quelqu'un va me faire les mots de jeu. Je ne Ben, suis pas de ce genre-là. Je suis martyr dans les Écritures. Donc, si tu veux me parler en tant qu'un homme qui connaît, c'est tout. Mais ne me dis pas des choses que vous parlez à l'église, les fidèles vous suivent. Je ne suis pas de ce genre-là. Je ne suis pas ignorant. Et je ne suis pas quelqu'un qu'on va me dire qu'il faut être animé par le Saint-Esprit d'abord avant de comprendre. Parce que Dieu a déjà placé la raison dans la conscience pour distinguer le mal et le bien. Étant donné qu'il y a la raison pour connaître le mal et le bien, ça nous suffit largement pour connaître la vérité et le mensonge. Oui, tu as dit que tu connais bien les Écritures. Quelle Écriture tu connais? La Bible ou bien le Coran? Et tu vois, toutes les écritures révélées, tous les livres qui sont révélés, c'est là que Dieu m'a donné une connaissance que je peux mémoriser tout. Et à présent, la Bible, je connais la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, que personne ne peut me contredire. Ah, mais tu vas beaucoup apprendre. Oui, c'est pourquoi j'avais dit premièrement que je ne connais pas, je continue à apprendre. Mais l'apprentissage que j'ai en train d'apprendre, si quelqu'un veut me jouer, là je lui dis que non, toi tu ne connais rien, absolument rien, il faut venir, on va t'apprendre comment on comprend les Écritures. Ah, je dis ceci. Est-ce que tu crois que Dieu, tu crois l'incarnation de Dieu? Déjà, déjà comprenez bien, l'incarnation là, c'est les païens qui parlent de l'incarnation, Dieu ne s'incarne pas. Dieu se manifeste. Il y a la manifestation de Dieu, mais il n'y a pas l'incarnation de Dieu. Dieu se manifeste à travers de quelqu'un, mais il ne s'incarne pas. C'est le païen qui parle de l'incarnation. Doucement, doucement. Tu as dit que Dieu ne s'incarne pas. Est-ce que tu peux me donner une écriture qui dit Dieu ne s'incarne pas? Est-ce que tu peux me donner une écriture que Dieu s'incarne? C'est moi qui ai posé la question. Si Dieu. Il y a des choses qu'on. Je veux dire, c'est pas te dire que Dieu nous a donné la raison pour distinguer le mal et le bien. Ce n'est pas tout ce qu'on m'a dit, il est écrit. Si je te dis, quand tu me dis, il est écrit où là, je peux te demander où il est écrit où. Parce que Dieu se manifeste. Je t'ai Dieu posé. se manifeste. Quand tu me dis que comment je vais savoir que Dieu se manifeste, je vais te prouver dans la vie que Dieu se manifeste. C'est toi déjà. Je t'ai parlé Déjà, ce que tu viens de parler, je n'ai pas le temps en tant que tel, mais je veux que tu me répondes ma question. La question que tu as répondu, ça dit, ce n'est pas dans la Bible. Si tu me dis que c'est Dieu qui s'est envoyé lui-même, tu peux me montrer aussi dans la Bible où on a dit Dieu t'a envoyé lui-même. Il est écrit où Dieu s'est envoyé lui-même. Donc tu me poses la question où il est écrit l'incarnation. Toi aussi, tu peux me donner le verset ou une partie de la Bible où on a dit Dieu s'est envoyé lui-même. Jean au chapitre 1, verset 14, on dit Dieu s'est incarné. Où? Quand? Jean chapitre 1, verset 14. Dieu s'est. La parole a été faite chair en son fils Jésus-Christ. La parole a été faite chair en son fils de ça veut dire quoi? Explique-moi. Ça Si veut tu ne dire comprends rien là, on va t'enseigner maintenant. C'est quand tu ne comprends rien quoi. Dieu s'est incarné. Le Ah Logos. non, 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 ce n'est pas ce que ça veut dire. Si c'est Dieu qui s'est incarné selon vous dans Luc, Luc 28, Luc 24 ou 28, verset 34, on dit Jésus-Christ a crié d'une voix forte sur la croix, selon votre foi. Il a dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Je remets mon esprit en ta main. Maintenant, si l'esprit est Dieu, Jésus remet son esprit en qui? Ça veut dire qu'il faut comprendre, ça veut dire qu'il faut lire les Écoute, écritures à terre et à travers. écoute, tu connais la signification du mot incarné?
Je dis l'incarnation, c'est de l'hindouisme. C'est les païens qui parlent de l'incarnation. Quand je t'ai dit comme ça, tu allais comprendre. Non, l'incarnation, par exemple, il y a des gens... Attends, je t'explique. Il y a des gens qui naissent les enfants et après, quand les enfants tombent malades, ils s'en vont pour faire les recherches. Après, c'est pour dire que leur grand-père qui est revenu, s'est incarné dans le corps de l'enfant, qui est revenu à la maison. Donc, ils voient qu'à faire cette cérémonie, c'est ce que l'enfant veut. Quand on fait les cérémonies maintenant, l'enfant se sent à l'aise. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Écoutez, si tu parles, ne me dis pas ce que toi tu penses. Il faut me dire, c'est écrit quelque part. On parle sur base des Écritures. Je t'ai posé la signification. Moi-même, je peux te dire, attends, si tu parles de l'incarnation aussi, il n'y a aucune écriture de la Bible. On a dit, Dieu s'est incarné. Montre-moi un passage de la Bible. On a écrit, noir sur blanc, Dieu s'est incarné. Jean, montre-moi, dis-moi le verset. Jean au chapitre 1, verset 14. On parle de... On dit, la parole a été péchée. Oh, Dieu n'est pas la parole. C'est la parole qu'il a envoyée à Marie. Dieu n'est pas la parole. Attends. C'est la parole qui a été envoyée à Marie. Et un souffle de vie venant de lui. Donne-moi... Tu as compris, non? Non, écoute. Que veut dire incarné? Ça veut dire quoi? Le mot incarné, ça veut dire quoi? Je dis l'incarnation, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, on dit un corps va quitter à quelque part pour habiter dans un corps. Non. Attention, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsqu'on dit incarnation, quel mot nous avons dans la racine du mot incarnation? Nous avons quel mot, quelle racine de mot là? On a le mot chair, la chair. Maintenant, si tu dis la parole s'est faite chair, c'est ce qu'on dit en latin, on dit incarno. Incarno, cela veut dire la parole est devenue chair. Donc la parole s'est incarnée, le logos s'est incarné. C'est ça la Bible. Je vois, pasteur. Pasteur, oui. On a dit, dans verset 14, ils ont dit, la parole a été faite chair. N'est-ce pas? Est-ce que Dieu est la parole? Tu me poses la question. Est-ce que Dieu est la parole? Tu poses la question si Dieu est la parole? Oui, oui. Que dit Jean au chapitre 1, verset 1? C'est ce que je t'avais dit au commencement que ça, c'est la parole de l'Omephaïlo, l'écrivain le Maïpaïlo, que Jean a recopié. Que Dieu. Comprenez bien. Tu as dit que c'est la parole de Phaïlo. L'Omephaïlo. Je te dis l'Omephaïlo. C'est pourquoi je te dis, pasteur. L'Omephaïlo, Il faut laisser le problème de l'incarnation. L'incarnation n'existe pas dans la doctrine de Dieu. L'incarnation n'existe pas dans la parole de Dieu. Non. L'incarnation n'existe pas dans la parole d'aucun prophète. Il faut laisser ça. Je te dis ceci. Prouve-moi. Je te dis ceci. Donne-moi une minute. Si on veut rester ça là. Donne-moi une minute. Tu as dit Méphaïlo. Phaïlo a écrit ça dans quel livre? Je dis, hein, tu vois, avant de connaître les choses, il faut étudier la personne d'abord. Il faut connaître bien la personne d'abord. Déjà, moi, quand je t'avais étudié depuis fort longtemps, hein, quand tu insultais le prophète Mohammed, c'est ça, tu insultais tous les musulmans, tu as oublié que j'ai discuté avec toi autant, quoi, jusqu'à ce que tu m'as donné un lien pour qu'on discute, et je t'ai dit que je n'ai pas de l'Internet. Maintenant, je t'avais parlé en vérité que là où tu es, la manière dont tu parles, si un musulman qui ne cherche pas le secours dans l'endurance ne peut pas discuter avec toi. Parce que le fait d'insulter, il n'y a aucun musulman dans le monde, Mohamed ou quoi que ce soit, les musulmans sont des mensonges. C'est-à-dire, c'est ça que je t'ai dit. Quand Jésus était dans le monde, il est en train de prêcher les gens. C'est de cette manière qu'il prêchait les gens pour amener les gens dans la vérité. Non, Jésus n'insulte pas les gens pour amener les gens dans la vérité. Jésus parle avec la sagesse et la bonne exhortation. Donc, le fait, si tu veux appeler les gens dans ta religion, il faut parler les gens avec la sagesse et de la bonne exhortation. Même le fait d'insulter que tel ce prophète est comme ça, et il couche les enfants et les femmes des gens, il couche avec les esclaves quand ils sont, ce n'est pas ça là qui peut amener les gens dans ton église. Ce n'est pas de cette manière qu'il faut appeler pour amener les gens. Bon. Il faut parler avec les gens avec la sagesse Attends. Et la bonne exhortation. Le fait d'insulter déjà, mais tu as amené une vidéo, elle est que. La DDR et les élèves d'Abdoumaïkan sont dans le mensonge. Qu'est-ce pour qu'ils sont dans le mensonge?
Qu'est-ce pour que toi tu es dans la vérité? C'est ça le problème. Déjà, ta religion même en question, ce n'est pas Dieu qui a amené ta religion. Le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est à Antioche que la première fois qu'on a appelé les disciples chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom là. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom. Ce n'est pas les apôtres qui ont donné ce nom. C'est d'autres personnes qui ont vu les apôtres de Jésus-Christ. Ils ont appelé les chrétiens sous forme de moquerie. C'est pourquoi Pierre a dit, si vous avez honte quand on vous appelle chrétien, pourquoi quand on les appelle chrétiens, ils ont honte? Parce que ce n'est pas Dieu qui les a appelés, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui les a appelés, mais c'est d'autres personnes, des païens qui les a appelés chrétiens. C'est pourquoi ils ont honte de les appeler chrétiens. Attends, tu ne comprends rien. Je ne vous appeler. Non, non, je t'ai donné assez de temps pour parler. Il ne faut pas fouiller. Oh, il a fouillé le débat. C'est ça. Ah. Les musulmans, dès qu'ils ont un peu. Personne n'ose discuter avec nous, personne n'ose nous débattre. Il a appelé, il a coupé le téléphone et il a fui. Vous voyez tous. Ah. Puisqu'il a dit que lorsqu'on dit au commencement était la parole était avec Dieu. Celui qui a dit ça, c'était Mephailo. Il a dit Mephailo. L'autre comédien, Ahmed Hidat, et Zakir Naïk a répété ça la semaine passée. J'ai suivi de ce débat au Qatar. Il a répété la même bêtise que Ahmed Hidat, que cette parole venait de Philo d'Alexandrie, que le monsieur appelle Mephailo, mais c'est Philo d'Alexandrie. Philo d'Alexandrie a dit ça. Et c'est une bêtise, puisque Philo d'Alexandrie lui-même, il était frère des disciples de Jésus. Donc, ils étaient contemporains. Il aurait pu entendre ça de ces gens-là. Nous, on n'a jamais lu Philo d'Alexandrie, on ne le connaît pas. Mais il a vécu après même les disciples. Donc, qui a recopié chez qui? Donc, la parole de Dieu, on ne se moque pas de ça. D'ailleurs, le Coran confirme très bien que Jésus est la parole de Dieu. Et Dieu et la parole est incréée, même dans le Coran. Il ne faut pas se moquer de ça. J'ai vu, il y a un autre musulman qui tentait de m'appeler. Attendez, je vais le rejoindre. C'est un frère des États-Unis. J'ai vu son appel. Je vais le rappeler tout de suite là. Je suis en train de rappeler un frère, mais il ne prend pas l'appareil. OK. Il ne veut pas prendre l'appareil. OK. Ou bien, je ne sais pas, c'est la communication qui le complique ou quoi. Mais je l'ai vu, il a tenté de m'appeler 6 et 10 fois. Il m'a envoyé beaucoup. Ah ouais, il est là. Allô, bonjour. Allô, bonjour, mon frère. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Ah, je vais très, très bien par la grâce de Dieu. OK. Moi aussi, tu es bien. Ah, OK. Donc, OK. Eh bien, pourquoi vous n'êtes pas sérieux dans tout ce que vous dites? Je ne suis pas sérieux dans ce que je dis. Il faut prouver ça. Vous m'avez envoyé une vidéo. L'autre fois, vous avez envoyé une vidéo dans le groupe. Vous avez rappelé que c'est interdit. Et là, vous m'avez envoyé la vidéo. Vous pouvez dire quoi? Vous pouvez quoi? Écoutez. Ah. Donc, il y a d'abord une confusion. Il y a d'abord une confusion. Attendez. Il y a une confusion. Il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes. Toi tu es dans combien de groupes? Je ne connais même pas le groupe dont tu parles. Puisque il y a beaucoup de groupes là où je suis affilié. Mais là, tu parles de quel groupe? Face à face. Face à face. Yeah. OK, je suis là. Ah. Eh bien,
Oui. Je crois, attends, autrefois, vous avez envoyé des vidéos, moi je suis là. Moi, je suis là devant toi. Il faut prouver qu'est-ce que c'est. Tu as été incapable, tu as pris des temps, que tu viens, tu n'as jamais venu. Il faut prouver ça, qu'est-ce que c'est, et puis c'est fini. Donc, c'est ce que tu as Moi, dit. Donc, le musulman, chaque jour, il nous pose la question de prouver que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça votre question. Hein? Chaque jour, on ne peut parler que sur la divinité de Jésus. Quand est-ce que vous allez nous prouver que Allah est Dieu? non, sur Allah et Dieu, il n'y a pas de débat. Non, puisque Alors, ça. vous êtes incapable, vous ne pouvez même pas nous prouver que Allah est Dieu. Vous ne pouvez même pas commencer, puisque moi je te dis, Allah n'est pas Dieu. Ok, c'est encore. Donc, ni les plus que ce qu'il ne faut pas comprendre ou entendre. Prends 4, verset 14. Allah dit là-bas, certes, c'est moi Allah. Il n'y a pas de divinité à part moi. Mais il n'a pas dit, Adorez-moi, il n'a pas dit c'est c'est moi Allah. Dieu. Il n'a pas dit c'est moi Dieu. Il a dit c'est moi Allah. Est-ce que vous avez Oui, une. Allah, oui. Attends. Avez-vous un verset dans le Coran là où Allah dit que je suis Dieu? Voilà, ignorant. Voilà, ignorant. Allah dit, c'est lui Allah. Nous, on adore Mais c'est Allah. lui Allah. Donnez-nous un verset là où Allah dit c'est moi Dieu. Là, puisque des fois les musulmans nous posent la question, donnez-nous un seul verset là où Jésus a dit je suis Dieu, adorez-moi. Vous aussi, donnez-nous un verset là où Allah dit je suis Dieu. Regardez, un ignorant, il dit, donnez-moi un verset où Allah dit, il est Dieu. Parce Oui, que Allah, ça n'existe pas. c'est n'importe quoi. Attends d'abord, c'est Allah là, c'est le nom propre de Dieu. Allah, c'est le nom propre de Dieu. Mais Allah dit, c'est moi Allah. écoutez, il n'y a. Non, Attends, c'est toi qui dis que Allah, c'est le nom propre de Dieu. C'est ce que tu dis. Si je te demande de me donner un verset, tu ne vas pas me donner. Maintenant, nous savons qu'Allah, c'est une divinité quraïche. Nous savons ça. C'est une petite divinité, un petit Dieu. c'est pas Lata, c'est pas Lata. Lata sont des idoles. Je ne parle pas Regardez de. un grand Je ne parle pas de Lata, je parle de Allah. Donne-moi le verset. Mais lorsque tu dis. Pourquoi tu m'as comme Pourquoi est-ce que nous disons ça? Attends, pourquoi tu... Puisque Ok, alors. le père de Muhammad, il adorait Allah avant la naissance même de Muhammad, avant même l'arrivée de l'islam. C'est le serviteur d'Allah. C'est pas Allah. C'est le serviteur d'Allah. Ah oui, il était serviteur d'Allah, mais l'islam est venu avec Muhammad. C'est Muhammad qui est venu révéler le Coran. Il est venu avec le Coran là. C'est Muhammad. Les gens ne connaissaient pas Allah avant. Je vais vous corriger. Je vais vous corriger. Je vais profiter de vous corriger. Vous avez dit que maman est venue avec l'islam. Ce n'est pas maman qui a amené l'islam. L'islam existait depuis notre père Non, Adam. non, c'est Soit faux. Abraham. C'est faux, c'est Attends faux. là. On n'a jamais entendu le mot islam avant Muhammad. C'est Muhammad qui a amené le mot là, islam. On ne connaissait pas ça avant. Donc, est-ce qu'on peut lire le Coran? Tu dis Je peux quoi? donner le verset. Mais écoutez, Est-ce que je peux donner le verset? et le Coran, et le mot islam, tout ce terme-là, c'est venu avec Muhammad. On ne connaissait pas ça. C'est lui qui a inventé Ok. ça. Ok. Il a inventé, ok. Maintenant, quelle était la religion d'Abraham? La religion d'Abraham, c'était la religion de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion dans ce monde, on appelle la religion de Dieu. Oui, quelle était la religion de Dieu? C'est ça la religion. Lorsqu'on dit religion, cela veut dire la relation. Tu me poses la question de te donner la relation de Dieu. La Non, relation de non. Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est ce qui existait de tout le temps. Religion ne veut pas dire relation. C'est ce qui nous lie une créature au créateur. Mais c'est ça la relation. Ce qui vous te lie, c'est ce qu'on appelle la Personne. relation. Relation de qui et qui? Voilà, c'est qu'un grand passé ignorant. Un Entre. grand passé ignorant. Attends. Un grand. La relation entre un homme et Dieu et sa divinité. Et la divinité, il y a des gens qui adorent beaucoup d'histoires là. Il y a même des bouddhistes qui adorent aussi leur divinité. Alors, la relation qui s'établit, c'est ce qu'on appelle la religion, la relation là. Et c'est ce qu'on appelle la parole. Dieu est la parole et il communique au travers de nous, à travers ses paroles. Je comprends pas pourquoi les gens de la TDR et de la BAM ne veulent pas discuter avec vous. Parce que vous êtes ignorant et vous êtes ignorant et
Non, mais écoutez, ces gens-là ne peuvent jamais débattre avec moi, puisque c'est comme toi. Tous les musulmans, ils aiment débattre contre moi sûrement sur WhatsApp, puisqu'ils veulent se cacher. Je peux t'envoyer le lien StreamYard. Tu as l'Internet là où tu es. Je peux t'envoyer le lien StreamYard. Comme ça, on se voit, on va discuter de la bonne manière sur YouTube. Là, nous allons exposer nos connaissances. Si tu veux, je t'envoie le lien tout de suite. Tu as été avec... tu n'as pas pu... Tu as été humilié là-bas. Mais c'est... Non, non. Écoutez, j'ai discuté avec tous les musulmans en Afrique et je les ai tous déplumés. Ce sont des comédiens. Personne n'a su même prouver ça. Lever son petit doigt. Ce sont des menteurs. Je les ai tous arrêtés. Et c'est pour cela qu'ils me fouillent. Je suis là. Ils vont débattre avec les enfants chaque jour. Il faut prouver que Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui doit adorer, puis c'est fini. Bon, tu as été incapable de me prouver que Allah est Dieu. Tu as été incapable. Ok, prouve ma vie. Oui, ok, moi je suis incapable. Prouve ma vie. Ah oui, Dieu. Tu es incapable. Aucun musulman ne peut nous prouver que Allah est Dieu. Ça c'est acquis. Ils ne le feront jamais, ils ne peuvent même pas oser. Puisque Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est l'agent de Satan. Il travaille pour Satan. C'est ça, Allah. Tu comprends? Allah n'est même pas Satan. Tu comprends? Oui. Je vais parler. Oui. C'est-à-dire, moi, je suis avec vous. Oui, c'est vrai. Mais tu dis qu'Allah n'est pas Dieu. Moi, je te le conseille. Allez, Allah est Dieu, il n'y a pas de débat. Donc, moi, je te le conseille. Prouve-moi que c'est Jésus-Christ qu'on doit adorer. Et puis c'est fini. La Bible est là, le Coran est là. Il faut prouver. Tu as peur de quoi? Bon, je vais te prouver avec le. Il y a beaucoup, beaucoup de versets. Je te donne d'abord le premier verset. Le premier verset que je te donne, c'est le verset qui était ouvert dans l'écran. Attends, je vais te donner ce verset-là. Nous sommes dans Romains. On va dans le livre de Romains au chapitre. Romains au chapitre 9, on peut aller. Romains, je te donne l'épître de Paul aux Romains. Romains au chapitre 9, au verset 5. Romains 9, 5. On va voir ce que Saint Paul a dit sur Jésus. Pourquoi est-ce que nous l'adorons? Romains au chapitre 9, au verset 5. Je suis en train d'ouvrir la Bible. Là, nous sommes au verset 5. Il dit ceci. Et les promesses. Paul dit ceci, « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair, qui sont israélites à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et le patriarche et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. » Amen. Dieu béni éternellement. Lorsqu'on dit le Christ, cela veut dire Christ. Il est le Dieu béni éternellement. Amen. C'est ça. C'est quoi? Ce que vous venez de dire, vous avez dit que le Christ veut dire Dieu. Non, Christ ne veut pas dire Dieu. Mais écoutez. Moi, je te dis ceci. Le Christ qui est oint, celui qui est oint, c'est ça même Dieu. Lorsqu'on dit le Christ, celui qui a pris la chair, qui s'est incarné, il est devenu oint chez nous. Il a été envoyé. Et c'est la même personne là qui est Dieu, béni éternellement. C'est la Bible qui dit ça. Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Tu veux parler? Parle. Quand vous parlez, moi je vous écoute. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Quand vous parlez, je vous écoute. Donc souffrez de m'écouter aussi. Parle. Ésaïe 45, celui-ci aussi, c'est un oint de Dieu. Celui-ci aussi Dieu. Ah, tu as dit un oint ou bien le Christ. Il y a le Christ et un Christ et le Christ. Celui-ci est appelé Christ dans la Bible. Il faut lire. Oui, il y a beaucoup de Christ. Attends. Il y a beaucoup de Christ, mais il y a le Christ. Vous voyez pourquoi les gens ne viennent pas du bordel avec vous. Je vous ai écouté. Écoutez-moi aussi. Les gens, c'est l'écoute.
Si vous voulez toutefois m'interrompre, à quoi sert de discuter encore? Écoutez-moi au moins. Oui, parle. Celui s'est appelé Christ, alors que le Christ, là, ce n'est pas Jésus. Donc, celui s'est aussi tué, selon ton explication. Là, ça, c'est entre parenthèses. Vous venez de dire que Jésus-Christ, c'est lui Dieu. Dans les mêmes points, épître de Paul, point Éphésiens, Paul dit quoi là-bas? Le même Paul dit quoi là-bas? Éphésiens 1, verset 16 à 17. Il est écrit quoi? Il est dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Quand il parle, c'est Paul. On dit quoi? Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ a son Dieu. Vrai ou faux? Selon Paul lui-même. Il t'écoute, hein? Parce que moi, il parle trop loin. Jésus-Christ a son Dieu. Vrai ou faux? Ok, je vais répondre. Je commence d'abord par Cyrus. C'est là que tu as commencé. Tu as dit que Cyrus était le Christ. Il était Christ. Il était loin. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont loin. Il y a beaucoup de gens. Mais lorsque nous parlons de Christ, nous parlons que celui qui est le Christ. Il est le Christ, mais il y a d'autres Christ. C'est comme moi, je suis aussi un Christ. Moi, je suis un Christ. C'est pour cela qu'on m'appelle chrétien. Je suis Christ, un petit Christ. Moi, je suis chrétien. Cela veut dire que je suis aussi loin. Mais lorsque nous parlons de Jésus, c'est celui qui a reçu l'onction sans mesure. On va discuter sur Cyrus d'abord. Tu as dit que toi aussi, tu es loin. Tu as été loin par qui? Tu as été choisi par qui? Parce que Jésus est un Messie loin de Dieu. Je te réponds avec les Écritures. Hein? Je te réponds avec. Il parle de toi. Tu es point par qui? Tu as été point par qui? Et pour quel peuple? Parce que c'est Dieu qui envoie ses messagers pour les envoyer dans des peuples respectifs. Toi, tu as été choisi par qui? Et tu as été envoyé pour qui? Voilà la question. Il n'est plus sourd. C'est aveugle quoi? Alors, il ne faut pas aller faire du coq à l'âne. On parle d'abord de Cyrus. Cyrus, c'est celui qui a été oint, bien entendu. Comme Dieu nous a oint, nous sommes aussi de Christ. Mais lorsqu'on parle de Jésus, Jésus, c'est lui qui a reçu l'Esprit sans mesure. On dit ceci. On va dire les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Les autres, nous avons une portion de Dieu. Nous avons une partie de Dieu en nous. Les autres. Tu comprends? Attends d'abord. Tu as ce que tu as dit là. Je vais rectifier littéralement. Tu as dit que nous sommes un. Nous sommes un de qui? Nous ne sommes pas un de Dieu. Ce sont les messagers que tu envoies dans les peuples là. C'est eux qui sont un de Dieu. Nous ne sommes pas un de Dieu. C'est pour cela au moment de Jésus là. Jésus a fait ses disciples. Les disciples ne sont pas des oints. Mais c'est Jésus-Christ qui est le oint pour transmettre les messages divins. C'est par qui la volonté de Dieu est connue. Non. Écoutez, tu es là pour apprendre. Tu dois prendre ton stylo et noter ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que dit la Bible. Je suis en train de te lire. Moi, je donne des coups. Écoutez. Tu ne me payes pas, il te donne des coups. Dans la Bible, nous sommes dans le psaume au chapitre 105. Au verset 15, Dieu dit ceci. Ne touchez pas à mes oints. Les gens qui sont oints, ils sont nombreux. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Attends. Ne faites pas de mal. C'est comme moi. Moi, je suis loin. C'est moi. Tu as menti. Écoutez. Tu dis? Est-ce que tu es prophète?
Oui, je peux répondre, c'est pas. Attends. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Tu vas me poser combien de questions? Je suis loin. Il nous a loin. Dieu a dit, ne touchez pas à mes joints. Lorsqu'on parle de joints, quels sont les joints? C'est nous. Tu vois? Toi, on ne parle pas de toi. Les joints de Dieu, ce ne sont pas toi. Ce sont les messagers que tu envoies. Alors, attends. Les joints qui sont ici. Attends. Lorsqu'on parle de. Attends. Lorsqu'on parle de Christ, c'est quelqu'un qui est loin. Maintenant, les gens qui sont ici, ce sont aussi des messias. Ce sont des petits messias, des petits messias. Maintenant, Jésus, lui il a la plénitude de la divinité. C'est bon. Cela, on dit que c'est Jean-Baptiste a la plénitude de la divinité. Répète ta question. Jean-Baptiste, il a quoi? Que Jean-Baptiste a la plénitude de la divinité. Non, ce n'est pas écrit. Il n'y a aucun verset qui dit Jean-Baptiste a la plénitude de la divinité. Ok. Et est-ce que nous aussi on a la plénitude de la divinité? Non, nous n'avons pas la plénitude de la divinité. Attends, j'ai suivi. Attends d'abord. Attends, pour cela. Si j'arrive à te donner un verset biblique, attends d'abord. Si j'arrive à te donner un verset biblique, nous aussi, on a la plénitude de la divinité. Avant que tu me donnes ce verset-là, c'est moi qui peux te donner ce verset-là. Attends, je vais te donner ce verset-là. Je te donne d'abord. Attends. Colossiens au chapitre 2, verset 9. On dit qu'en Jésus habite corporellement. Toute la plénitude de la divinité. Ça habite seulement en Jésus. Nous autres, on n'a pas la plénitude de la divinité et nous n'aurons jamais la plénitude de la divinité. Maintenant, donne ton verset là, je vais te piéger, puisque je connais ce verset là. Dans le livre des Ephésiens, Paul a parlé aussi de la plénitude de la divinité. Mais il n'a pas dit que nous avons la plénitude de la divinité en nous. Tu comprends? Je suis là pour t'aider, puisqu'il y a les petits comédiens musulmans. Des fois, ils commencent à donner ces versets-là et ils commencent à mentir. Tu vois, nous recevons de la plénitude. Jésus a la plénitude de la divinité. Mais à partir de cette plénitude, nous recevons toutes choses. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes dans le livre des gens. Moi, parle. Tu peux parler? Oui. C'est ça, moi, il est bien. Allez, l'honnêteté en soi, il n'y a pas le garant de vérité. Quand tu as parlé, tu as sauté qui sang. Nous étions sur Sirius. Sirius était loin. Est-ce que Sirius est Dieu? Non. Jésus est loin. Moi, je ne suis pas contre toi. Jésus, c'est un loin. C'est un messie. C'est un choisi de Dieu. Moi, je ne suis pas contre toi. Non, c'est faux. Attends d'abord. Je viens d'abord. Je viens. Écoute-moi au moins. Tiens, je raccroche. Parce que ça c'est pas. Tu ne veux pas écouter, tu ne fais qu'interrompre. Il faut m'écouter, souffre. Prends les cours gratuitement, frère. Jésus-Christ était un de Dieu. C'est Dieu qui l'a un. C'est pour ça que j'ai lu Ephésiens là. Paul dit que Jésus-Christ a son Dieu. Tu es dit, frère, où faut tu as de t'embrouiller. Donc, nous ne sommes pas un de Dieu. Parce que. Nous ne sommes pas des messagers, nous ne sommes pas des prophètes. C'est Dieu qui choisit ces points, c'est Dieu qui choisit ces éléments qui s'appellent prophètes. Les prophètes sont des points, les messagers, les messies. C'est bon? C'est pourquoi Dieu dit, ne touchez pas à mes soins. Toi, tu n'as pas de temps, toi, c'est un disciple. Autant de Jésus là, pourquoi il y a les disciples? Est-ce que les disciples sont des soins? Non, les disciples ne sont pas des soins. C'est bon? Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a dit clairement et explicitement dans Jean 12, verset 49 à 50. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même.
ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Il parle au nom de qui? Il parle au nom de Dieu. C'est Dieu qui envoie ses oins. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. C'était contre ça. Ah oui. Contre Paul quoi? Je suis contre ce que toi tu dis, c'est du mensonge. Tout ce que tu racontes. Non, c'est la Bible que j'ai lue. C'est la Bible que moi j'ai lue. Oh, donc la Bible est fausse. Si c'est comme ça, la non, Bible non, est fausse. Non, non, non. Écoutez. Écoutez. Tout ce que tu dis là, c'est le mensonge. Tout ce que tu dis là, c'est le mensonge. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Je t'ai dit que Jésus, même dans le Coran, il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. Non. Et c'est Jésus, le Christ. Lorsqu'on parle le Christ, c'est Dieu lui-même. Je t'ai montré non. Une écriture là où on dit que le Christ, c'est Dieu. Même Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même a dit que le Christ, c'est Dieu. Puisque David avait dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est Dieu qui parle, il dit, parole de mon Seigneur à mon Seigneur. C'est Adonai qui parle à Adonai. Tu vois. Maintenant, lorsque nous entrons, on trouve que le Christ lui-même, il est Dieu. C'est pour cela qu'on dit que le Christ a dit que la plénitude de la divinité habite seulement en Jésus. Attends d'abord. Vous avez menti sur Adonai et Adonai. Quand on parle d'Adonai, Adonai, c'est l'envoyé. Adonai, c'est l'envoyé. Maintenant, Adonai, c'est le créateur. Maintenant, qui est créateur, qui est Adonai et qui est Adonai? Il faut différencier Adonai et Adonai. Pardon, donne les noms. Qui est Adonai et qui est Adonai? Ah, Adonai, c'est... Attends, tu as présence. Tu dois prendre ton cours. Adonai, c'est lui qu'on appelle Jéhovah. Tu comprends? C'est qui? Jéhovah, le Dieu créateur. Jéhovah. On l'appelle Yahweh. Yahweh Adonai. Le Dieu créateur, c'est Jésus. Tu dis quoi? Le Dieu créateur, est-ce que c'est Jésus? Oui, c'est Jésus. C'est la même personne qui s'est incarné. On parle de l'incarnation. Et Adonai, c'est qui? Adonai, c'est l'incarnation. Lorsque Dieu s'incarne, il s'est fait Adonai. Un homme. Lorsque Jésus était venu chez nous, il est venu comme un homme. Il est venu. Tu ne parles pas de ça. Adonai, c'est qui? Est-ce qu'il y a parlé de discussion? Adonai, c'est qui? Tu as dit Adonai, c'est Jésus. Adonai, c'est qui? Voilà ma question. Tu as confondu. J'ai dit ceci. Adonai, c'est Jéhovah. Tu comprends? C'est Jéhovah, c'est Jésus. Oui, c'est la même personne. Ok. Et Adonai? Adonai, c'est qui? C'est Jésus. C'est toujours la même personne. Hein? Ouais. C'est la même personne qui s'incarne. Tu vois? C'est le même Dieu qui se manifeste sous plusieurs formes. Aujourd'hui, il peut prendre un corps. Aujourd'hui, il s'incarne dans un autre corps. C'est la même personne. Donc, voilà un pasteur qui vient de confirmer que Adonai et Adonai, c'est la même personne. Oui, c'est la même personne. D'abord, dans le théologie, tu es censé savoir qu'on parle d'Adonai, c'est le créateur. Adonai, c'est l'envoyé. Alors que Jésus-Christ dit l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyé. Oui, mais c'est puisque. Attends. Je perds mon temps. Donc, si on se sépare, toi, tu n'as pas les niveaux, quoi. Ne fouille pas. Ah, voyez-vous. Tout musulman qui vient, il ne peut pas faire 10 minutes. Il vient, il parle, il fouille. Il parle avant que tu ne répondes, il fouille. Il parle avant que tu ne répondes, c'est la fuite. Ah, c'est ça le musulman. Et il dit, ah non, tu n'as pas le niveau. Puisque là, nous sommes dans la Bible. Si je prends un verset du Coran, c'est sa mort. Le musulman ne termine jamais le débat. Ne termine jamais.
Nous sommes là. Il a parlé avant que je ne termine de le mettre à plat, puisque je lui ai dit que Dieu s'incarne. Dieu prend plusieurs formes. Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Et d'ailleurs, j'allais lui donner le verset, même dans le Coran. Dans le Coran, Allah aussi s'incarne. Allah prend une autre forme. Là, je vous ai donné l'écriture là où Dieu s'est incarné. Allah aussi s'est incarné. Mais surtout les musulmans africains, ne connaissent rien. Ils ne savent même pas que leur Dieu s'incarne. Là, nous sommes dans Sourate 68, au verset 42. Alors, puisque nous sommes là pour frapper très, très fort, aucun musulman ne peut débattre contre nous. Ça, c'est un verset cadeau. Souvent, j'achève les musulmans ici. Hein. Là, c'est Sourate 68, 42. Sourate 68, au verset 42. Là, on parle de l'incarnation d'Allah. Et les musulmans, ils ont tout fait pour cacher ce verset ici. Puis si vous cherchez ça dans leur Coran des Français, ils ne trouvent pas ce verset ici. On a dit, le jour où ils affronteront des horreurs. C'est comme ça qu'on a écrit dans ce verset-là. Attendez, je vais vous mettre ce verset ici. Et comme on a mis ça dans le Coran, le Coran piraté que les Africains utilisent, on les a juste trompés. Sorry. Ah, ça c'est chapitre 68, au verset 42. Là, c'est l'un des versets clés que j'utilise pour suicider les musulmans. Je leur donne ce verset pour qu'ils puissent se suicider. Ah, puisqu'ils ne peuvent jamais débattre. Oh, après ça, ils fouillent tous. Hein. Sourate 68, 42, ici on a interprété, le jour où ils affronteront les horreurs du jugement, ils seront appelés à la prosternation. C'est un faux verset. Il n'y a pas de mot horreur, il n'y a pas de mot affronter. Ça n'existe pas. Je vais vous donner ce que veut dire la sourate ici. Sourate 68, on dit, le jour où, voyez-vous un peu la différence? Le jour où le tibia sera découvert. C'est le pied. Lorsqu'on parle de tibia, c'est le pied d'Allah. Attendez, je vais vous montrer une autre. On dit que le jour où le shin sera découvert. Le shin, c'est quoi? C'est le pied d'Allah. Le jour où la jambe sera dénudée. Mais voyez-vous le contraste? Ici, on dit le jour où ils affronteront les horreurs. Donc, c'est la sorcellerie dans l'islam. Comment est-ce qu'ils ont changé le mot la jambe? Voyez-vous un peu comment c'est diamétralement opposé? On dit le jour où la jambe sera dénudée, mais ici on dit le jour où ils affronteront les horreurs du jugement. Ils seront appelés à la prostération, mais ils ne pourront pas le faire. D'où vient que le mot jambe a disparu ici? Tandis que toutes ces versions de Coran, on a dit le jour où la tige, ici ils ont dit tige au lieu de la jambe, ils disent tige. Ici, Abdullah Youssouf Ali dit, le jour où le tibia sera mis à nu, le tibia de Allah. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ça, c'est le jour où Allah sera incarné. Le jour où le shin, c'est le pied de Allah. Hein? Vous voyez? On dit, un jour sera découvert où le tibia, la jambe de Allah. Allah va venir et il va montrer sa jambe. Allah va venir comme un homme. Il va venir comme un homme. Le jour où le tibia de Allah. Alors, ces gens ici, ils ne veulent pas qu'on puisse toucher à ces versets. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas débattre avec moi en public. Ils ne pourront jamais le faire. Le jour où la jambe sera découverte. Le jour où le tibia sera découvert. Allah va venir. Le jour où le shin sera exposé. Allah va venir exposer son pied. Le jour où Allah va venir exposer le pied. Il y a même un hadith de Muhammad. Je vais vous montrer cet hadith-là. Ils ne peuvent jamais débattre avec moi. Jamais. Hein? Je vais vous montrer cet hadith ici. Muhammad a parlé de cet hadith ici. Ils ne pourront jamais, 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 jamais débattre avec nous. Hein? Et ils ne pourront jamais le faire. C'est pour cela qu'ils fouillent toujours nos débats. Alléluia. Nous sommes invincibles.
Puisque Dieu, il y a des fois que Dieu prend la forme corporelle. Dieu s'incarne. Le monsieur là a fui. Mais je vais faire la vidéo et je vais lui envoyer ça. Ça, c'est Saïd Bouhari numéro 74-39. Il dit, d'après Abu Saïd al-Khoudri, ça c'est un compagnon de Muhammad, on dit, nous avons dit au messager, est-ce que nous allons voir le Seigneur Allah le jour de la résurrection? Muhammad a dit, avez-vous des difficultés à voir le soleil? Quand le soleil est clair, ils ont dit, non. Il dit, ainsi vous n'aurez aucune difficulté à voir Allah ce jour-là, à voir votre Seigneur. Comme vous n'avez aucune difficulté. Muhammad dit que vous allez voir Allah, Allah va venir. Et on va maintenant nous dire comment est-ce qu'Allah va venir. C'est un très long hadith. Un très long hadith. Attendez. Ici, on dit ceci. Alors Allah, le Tout-Puissant, viendra à eux sous une forme. Il viendra sous une forme. Allah a plusieurs formes. Il a plusieurs formes. Il s'incarne sous plusieurs formes. Il viendra sous une autre forme que celle qu'ils ont vue pour la première fois. Et Allah va dire, je suis votre Seigneur. Je suis votre Dieu. Les musulmans vont dire, tu n'es pas notre Seigneur. Et personne ne parlera à lui. Personne ne va parler à Allah, sauf aux prophètes. Les prophètes vont commencer à parler. Alors, on va poser la question aux musulmans. Connaissez-vous un signe par lequel vous puissiez le reconnaître? Les musulmans vont répondre, le shin. Le shin, c'est le sakin, le pied d'Allah. Il dit, on va reconnaître Allah, on doit voir son pied d'abord. Ainsi, Allah découvrira son shin, son pied. Et après, chaque croyant se prosternera devant lui. Chaque croyant va se prosterner devant lui. Il ne restera que ceux qui se prosternaient devant lui pour se faire valoir tout ça. Il dit que, ainsi, Allah découvrira son pied. Alors, chaque croyant se prosternera devant lui. Et c'est ce verset ici. C'est le même verset. Le jour, c'est ce même verset où dit, le jour où le tibia sera mis à nu, ils seront appelés à se prosterner. C'est ce que Muhammad explique là-bas, que Allah va découvrir son shin, après quoi ils vont se prosterner, puisque Allah va prendre un corps humain. Hein? Et ici, il dit ceci, le Tout-Puissant viendra sous une autre forme que celles qui l'ont vu pour la première fois. C'est écrit dans les livres des musulmans. Là, c'est un hadith authentique de Muhammad. Il y a beaucoup de hadiths. Là où Muhammad a dit, Allah va venir sous une autre forme. Allah change de forme. Et il va prendre la forme humaine. Maintenant, le petit ici, il n'a pas voulu atteindre ce niveau. Lorsqu'ils atteignent ce niveau, ils fuient tous. Vous avez vu, deux musulmans, ils viennent, ils posent des questions. Et ce qu'ils font, c'est poser des questions, Bible, Jésus, 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 Jésus. Maintenant, lorsqu'ils viennent, avant que je ne termine, puisqu'ils me connaissent, tous ces gens ici, ils savent comment est-ce que je débat, j'entre dans le Coran, dans les tafsirs, dans les hadiths. Ils ne pourront jamais. Surtout lorsque j'entre dans les tafsirs, là, je deviens très dangereux. Très dangereux si j'entre dans les tafsirs. Tu vois, la vidéo a déjà 48 minutes. Hein? Je ne dois pas dépasser une heure, pas même 50 minutes. J'ai voulu faire pour 30 minutes avec le monsieur qui avait appelé auparavant, mais le monsieur a fui. On termine ici et shalom et que Dieu vous bénisse.